C'est fou, en fait. Tu fais genre, en fait, tu es en train de me raconter un film, un scénario qui est très joli, ou telle gentille d'histoire qui a malencontreusement blessé son ami, mais en fait, tu as pris du plaisir. Et c'est ça que tu veux te cacher. Tu as pris énormément de plaisir à aller pointer du doigt ce qui faisait mal. Et toi, tu t'inventes un scénario où tu es le chevalier blanc, sur son cheval blanc, avec son étendard blanc. Non, en fait, j'y crois pas à ton histoire, Edouard. Pourquoi? Parce que ça vient toucher le même plaisir malsain que j'ai à aller fouiller et à aller toucher là où il y a les incohérences, là où c'est dysfonctionnel. J'y crois pas à ton histoire. J'y crois pas à ton histoire parce que ça pue la merde. T'es en train de te soumettre à l'extérieur. T'es en train de te soumettre à une autorité qui n'est pas la tienne. Précisément à une autorité féminine qui n'est pas la tienne. T'espères faire bonne figure. T'espères pouvoir étendre ton territoire, étendre ta domination à travers le fait de rentrer dans les bonnes grâces des autres. Tu veux pas faire par toi-même. Et au fond, pense à toi. Ne sois pas à l'écoute pour une fois et pense à toi. Tu espères ton truc de j'essaye de trouver l'origine de ce manque d'écoute. Déjà, ça me dit que tu as des valeurs. Est-ce qu'elles sont vraiment les tiennes? Est-ce que tu les acceptes réellement comme étant tes maîtres? Est-ce que tu les accepterais? Est-ce que tu les vois réellement? Est-ce que tu les sens réellement comme étant juste avec toi? J'ai pas l'impression. Déjà, ça c'est une première chose. Ensuite, tu me dis de l'origine de ce manque. Ouais, c'est une stratégie pour pas avoir le plaisir que t'as. Hein. C'est tout bête, mais il y a autre chose, mais c'est vraiment un premier étage important d'aller voir chez toi. C'est écouter, mais t'as pris du plaisir. Pourquoi? Parce que ça ne vient que de toi et tu ne l'as fait que pour toi et c'est bon, c'est ok. T'as un ego. T'es pas là pour prendre soin des autres. T'es là pour prendre soin de toi. Même dans le côté négatif, peu importe que ce soit positif ou négatif, t'es là pour prendre soin de toi. Même si tu n'es pas responsable, tu n'es en rien responsable de ce que tu provoques chez les autres. Ce n'est pas toi qui te provoques. Tu viens juste pointer du doigt quelque chose qui est déjà là.